Yo tout le monde, c'est Kevin, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau jeu sorti il y a seulement quelques jours, Lego Worlds. Alors Lego Worlds, on rentre directement dans le vif du sujet, qu'est-ce que c'est? Non, ce n'est pas un Minecraft-like. Lego Worlds, c'est quelque chose de différent. Oui d'accord, Minecraft a lancé la mode de plein de jeux de type sandbox. Effectivement, c'est vrai, des choses plus ou moins réussies. On a également dit que Cube World était un plagiat, ce qui n'a pas été le cas. Justement, il a Lego Worlds, c'est pareil, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, il me fait plutôt penser à un jeu qui n'est pas encore sorti, qui sera bientôt, qui est en alpha en ce moment, qui s'appelle Planets Cube, qui est développé par des Français. D'ailleurs, je vous poste une vidéo maintenant, paf, voilà, enfin une vidéo, une photo du jeu en visu, et vous allez voir après que Lego Worlds, ça ressemble pas mal grâce aux briques. C'est juste incroyable ce jeu, j'ai vu jouer pendant environ une petite demi-heure, là, juste avant. Et aujourd'hui, on va commencer à voir un petit peu ce que ce jeu vaut vraiment, et je vais vous apprendre aussi les bases. Pour comment on peut bien débuter effectivement dans ce jeu, même s'il n'y a pas de choses réelles à faire pour le moment, il n'y a pas d'objectif particulier, si ce n'est de jouer, tout simplement pour notre plus grand plaisir. Alors voici le menu, le menu de choix de monde, très joli, vous voyez, un peu une sphère coupée, enfin plutôt une moitié de macaron, dans laquelle on peut choisir le nom du monde, effectivement. Alors attendez, je vais vous faire un nouveau monde pour apprendre un petit peu avec vous. Nous allons marquer vidéo 1. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Comment on fait 1 ici? Ah oui, le tab. Avec les coordonnées galactiques, on va rester sur les classiques. Ça, c'est comme Minecraft. Dans pas mal d'autres jeux, vous pouvez créer pas mal d'autres jeux infinis dans lesquels vous pouvez créer votre propre seed et tomber sur des choses absolument merveilleuses, mais là, on peut voir que le monde a l'air assez sympa. Ne vous laissez pas avoir par ce disque, le monde est en réalité, bien sûr, circulaire, hein, ce n'est pas comme au Moyen-Âge. Et nous allons pouvoir voir que, en fait, il est quasiment infini ce jeu. Enfin, je suis allé assez loin, hein. Je pense qu'il y a un moment donné où on bute. Moi, j'ai peut-être tourné en rond, mais il y a vraiment de quoi faire. Ensuite, là, bah, on a un petit personnage que je vais pas prendre. D'ailleurs, je vais prendre celui de base, qui est ici. Normalement, on n'a pas le choix au début. On a le choix entre ces deux-là, à peu près, filles, garçons, qui sont des explorateurs. Alors, on va le prendre, comme si c'était la première partie que je faisais. clin d'œil. Et ça, c'est le monde que j'ai choisi. Nous avons les paramètres ici. Nous n'en avons pas besoin. J'ai déjà fait avant avec les autres mondes. Allons-y, c'est parti. Tiou ! Et nous avons d'ailleurs un joli petit écran de chargement Lego. J'aime beaucoup. Et voilà, nous sommes parachutés à la Bear Grylls dans ce monde fait entièrement de briques. Ah les amis, je peux pas vous dire à quel point ce jeu, je l'ai attendu. Ils l'ont jamais annoncé avant, hein, mais je l'ai attendu avant qu'ils l'annoncent. Enfin, on devait bien se douter que Lego viendrait surfer sur la vague sandbox, quoi. C'était obligé. Et puis, je peux vous dire qu'ils sont en train de nous pondre un jeu de qualité. En même temps, les jeux Lego ont toujours été d'assez bonne facture de toute façon. Ah. Alors oui, avant de faire n'importe quoi, je vais vous expliquer très rapidement les bases. Pour l'instant, le jeu est en version bêta sur Steam, en Early Access, voilà, le jeu définitif sortira sûrement au courant 2016. On n'en sait pas trop pour le moment, ils ont prévu avant tout d'améliorer le Early Access justement avant de pouvoir sortir une version très définitive. Par contre, je ne comprends pas pourquoi les ombres bug à ce point-là. Alors attendez, on va juste regarder les paramètres très rapidement si vous le permettez. Je crois qu'en fait je suis pas à fond. Qualité du terrain moyen, est-ce que c'est ça qui fait bugger les ombres? Ouais, il semblerait, hein. Bon allez, j'avais baissé un petit peu. Oh regardez, j'ai les cœurs ici. Alors, commençons, nous sommes sur un clavier AZERTY, normalement si vous êtes en France, enfin, ou si vous êtes complètement francophone, ce qui fait que le gameplay a été fait pour les claviers QWERTY seulement pour l'instant, ça ne pose pas de problème majeur. Pour se déplacer, c'est tout simple, normalement vous avez les informations qui apparaissent en bas à droite lorsque vous jouez pour la première fois et vous pourrez les reprendre quand vous voudrez. Pour bouger, c'est pour AZERTY, donc c'est ZQSD, vous ne pouvez pas les régler pour le moment. Pour sauter, vous faites un bond avec espace, et pour faire un double bond assez connu dans les jeux Lego, vous faites doublement espace. 1, 2, voilà, par contre on a fait une petite pirouette un petit peu gay. La la. Et il y a une piquette qui arrive, hop, 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 attends une seconde. Parce que avant qu'elle vienne vers moi, j'ai envie de vous expliquer quelques petits principes. Alors pour sauter, voilà, pour la caméra, c'est clic droit enfoncé, vous tournez comme vous le souhaitez. Voilà, salut. Très très bien fait. Alors regardez-moi vite fait les paysages quand même. Bon, la distance, la view distance est pas énorme pour le moment, mais il y aura moyen de régler ça plus tard, j'en suis sûr. Et le petit bémol pour l'instant, c'est qu'on ne peut pas zoomer et dézoomer sur le personnage, que je trouve un petit peu trop proche.
On peut nager, on ne peut pas plonger sous l'eau pour le moment. Nous avons des actions. Donc, je l'ai dit, clic droit, c'est effectivement pour déplacer la caméra. Vous pouvez la recentrer avec R. Et pour avancer, donc c'était ZQSD. Et on peut commencer à bouger un petit peu. Le clic gauche sert un petit peu comme pour Minecraft à faire des coups ou bien à... C'est quoi ce bruit? Attendez. C'est quoi ce bruit? Vous l'entendez bien, non? J'ai l'impression qu'il se rapproche. Attendez, attendez, une seconde. Ah bah tenez, regardez. Regardez, il y a des squelettes là, hein, des méchants. Et ça va nous permettre d'introduire la première chose dans ce jeu, c'est le clic gauche qui est en fait l'attaque, tout simplement. Allez, regardez ça. Bam, bam, bam. Allez, viens là. Oh, il est mort? Il est déjà mort. Écoutez, par contre, je suis déjà coincé. Voilà, donc vous l'aurez compris, clic gauche vous permet de... Voilà, le clic gauche vous permet de faire des attaques. Attendez, on va se mettre face à la caméra pour que vous compreniez bien. Voilà, boum boum boum. Et voilà, il y a également des pièces. Les pièces Lego, hein, habituées, qui sont maintenant dans tous les jeux Lego. Virtuels, je parle, hein, pas dans les jeux en briques physiques. Et ces pièces vont vous permettre après de débloquer pas mal de choses dans le menu. J'y reviendrai un petit peu après, pour l'instant on fait découverte un petit peu des commandes. Et vous pouvez remarquer, vraiment, c'est assez joli, hein, c'est vraiment très joli. Il y a même un petit effet de flou à l'arrière qu'on peut régler pour la distance. C'est vraiment très 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 joli et super coloré. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte à l'écran, mais moi en tout cas je vois ça. Deuxième chose, après nous avons vu un petit peu les mouvements du personnage. On peut même sauter sur les champignons, regardez comment c'est ouf, voilà, c'est super. Une autre attaque dont je n'ai pas parlé, ça c'est l'attaque un peu basique, mais bien sûr il y a l'attaque avec le saut. Lorsque vous faites espace, clic gauche, boum, vous atterrissez comme un ouf sur vos ennemis, sur les fesses, hein. Et vous avez également le double saut, plus écrase-face en fait, hein, carrément, plus clic gauche, qui vous permet de faire une attaque vraiment plus puissante et de tout dégommer, comme ici par exemple le champignon, boum, non je rebondis dessus, d'accord. Alors ensuite, les petits éléments que vous voyez partout, nous ne pouvons pas casser le sol, hein, ce n'est pas très important pour le moment, vous verrez pourquoi plus tard dans les prochaines vidéos. Lorsque vous cassez des objets, lorsque vous approchez de certains objets, en fait de la plupart des... Pourquoi tu te casses pas toi? Ah, je ne savais pas, les gros champignons ne se cassent pas. D'accord, alors on va se rapprocher d'un champignon un peu plus petit, viens là toi. Lorsque vous cassez ce genre d'éléments, vous récupérez des pièces, ça je l'ai dit, qu'est-ce que je me répète. Et également, lorsque vous rapprochez d'éléments inconnus, attendez, bah écoutez, ce qu'on va faire déjà, c'est on va juste grimper tout en haut, hein, on va découvrir en même temps, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes, pour que je puisse un petit peu imager mes propos. Waouh, regardez ça un peu comment c'est magnifique quand même. Ouais, il y a des montagnes pas très belles là-bas, mais regardez par ici, c'est juste hallucinant quand même, c'est très très beau. Franchement, je vous conseille le jeu, il est vraiment en bêta, il est en bêta, il coûte que 15€ pour le moment. Alors attendez, je vais juste retirer ça, 5 secondes. Et regardez, vous avez en fait, lorsque vous avancez dans le monde, des objets en surbrillance. Alors, soyez attentifs. Je sais pas si vous allez le voir là tout de suite. Des objets qui brillent un petit peu, voilà. Comme au loin là, vous voyez, il y a des petites choses qui clignotent. Voilà. Ce sont des choses que vous n'avez pas encore découvertes. Des éléments que vous n'avez pas découverts. Alors, quand vous approchez, ça va dans le menu. Regardez, on va suivre le chemin d'ailleurs. Tac, ça va dans le menu. Ça se retrouve directement dans construction, dans maquette. Ils ont appelé ça maquette. Dans laquelle vous avez pas mal de petites choses et ça va dans accessoires. Accessoires, c'est tout ce qui est plante, tout ce qui est végétal, tout ce qui est en fait cosmétique, tout ce qui vient décorer. Vous débloquez en fait la plupart des éléments, vous explorez le monde et vous devez payer les pièces que vous récupérez dans le jeu pour les débloquer. Et ensuite vous pouvez les construire à l'infini. Par exemple, là quasiment tout est disponible, hein, parce que bon, c'est vraiment la version bêta, c'est découverte, donc je pense que c'est comme ça. Par exemple, si je veux avoir ça, boum, pour construire ma maison, si je veux avoir ça dans mon jardin, il suffit que je clique dessus. Ça se met, mon bonhomme lévite avec une sorte de d'arme super sophistiquée. Et il me suffit de le passer où je le veux, en fait c'est vraiment super bien, regardez. Voilà, et je peux vraiment le mettre à l'infini. Voilà, ça c'était pour la petite... Pour le petit exemple, à quoi servent les pièces, par exemple, vous allez voir après. Et également pour vous montrer qu'en fait, vous vous en rendez bien compte, il y a un mode qui n'est pas un mode survie, c'est vraiment un mode exploration, uniquement, dans lequel est mélangé un petit peu le mode créatif, c'est-à-dire que les ennemis, enfin, ils vont pas vous foutre une rousse de dingue, il n'y a pas de gestion de la faim, il n'y a rien de tout ça.
tout simplement. Et attendez, je vais juste faire une toute petite ellipse, car il y a ça qui est apparu, je ne sais pas pourquoi. A tout de suite. Re les amis, rien d'important, j'ai juste dû baisser un petit peu la qualité de quelques petites choses de rien du tout, car mon ordinateur, je sais pas, il est en surchauffe, tout simplement, il fait son petit délire là. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, ce n'est pas un mode survie où il y a la collecte de ressources extrêmement compliquée, enfin compliquée entre guillemets, vous m'aurez compris, de Minecraft. C'est vraiment, vous explorez, vous tombez dessus par hasard, boum, et vous pouvez le débloquer automatiquement. Il n'y a pas de craft, du moins pas encore dans cette version. On va monter tout en haut pour avoir un petit panorama quand même assez joli. Ah ouais, non, non, mais regardez, c'est vraiment super beau, quoi. Très, très joli. Et dans cette vidéo, nous allons vraiment juste parler un petit peu exploration et découvrir le jeu avec les petites commandes de base, comme je vous l'ai montré. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Au niveau du décor, pour l'instant, c'est tout. Nous ne pouvons pas casser le sol ou les arbres à la main. On va aller voir un petit peu tout ce qui se trame par ici, à commencer par la vie. Il y a énormément de vie. Vous vous ennuyez jamais en fait dans ce jeu. Il n'est qu'en version bêta et pourtant il y a toujours des petites choses qui fourmillent à gauche, à droite, par-ci, par-là. Et ça c'est vraiment super appréciable. Attendez une seconde. Ah regardez, j'ai pas vu pendant que j'étais en pause, mais on peut voir que la nuit tombe, un joli ciel étoilé. Et le fait qu'ils aient mis des shaders et puis un effet un petit peu aussi de reflet là sur les briques comme ça, c'est vraiment super beau. Enfin moi j'adore. Je suis vraiment... J'adhère complètement. Alors nous avons... Pour commencer, les animaux. Attention, normalement, si nous faisons E dessus, nous pouvons monter. Alors, normalement, il y a une petite animation. Il est censé y avoir une petite animation qui montre que vous l'avez débloqué. Ensuite, il vous suffit de l'acheter. Il vous suffit de l'acheter ici pour débloquer la monture. Et vous pouvez l'avoir à l'infini. Vous pouvez juste l'invoquer tout simplement en cliquant dessus. Mais là, je l'ai déjà, donc ça sert absolument à rien. Vous en conviendrez. Alors, reculons un peu. Voilà. Nous n'en avons pas besoin pour le moment. Et par exemple, est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas encore vu ici? Est-ce que j'ai déjà fait la chèvre? Est-ce que j'ai déjà fait la chèvre? Attendez. Regardez. Il y a également des personnages, alors qu'on va les voir. Là. Une animation qui, à la fois, le débloque et qui me permettra de le jouer plus tard ou de l'avoir comme allié. Enfin, ça, ce n'est pas encore très défini. Il se barre. Comme ça, le mec, il se barre. Normal. Alors, est-ce que j'ai une vache, déjà? Non, je ne l'avais pas, vous voyez, j'avais que le taureau. Le taureau, c'est la même, mais avec les cornes, tout simplement. Mais je reviendrai plus tard sur tous les animaux, sur toutes ces choses-là. Là, vraiment, c'est juste pour vous montrer rapidement tout ce qu'on peut faire dans le jeu, une vidéo assez courte. Nous pouvons donc déjà monter sur les animaux. Nous avons exactement les mêmes commandes que lorsque nous sommes sur, lorsque nous sommes humains classiques, sur nos deux pattes arrière. Nous pouvons sauter, je crois qu'avec la vache, nous ne pouvons pas attaquer. Ah si si, regardez ça et... Attendez, faut que je vous montre ça. Nous pouvons... On peut foutre des coups de tête et des coups de... Et des coups de sabot, ça c'est génial. Et ça, qu'est-ce que c'est? Regardez-moi ça. Je sais pas trop. On dirait une sorte de foreuse, hein. Foreuse pour la pierre ou je ne sais quoi. Ce sont des éléments comme ça qui apparaissent un peu aléatoirement sur la carte, mais c'est vraiment juste super. On va commencer... Du coup, qu'est-ce que je peux vous montrer de plus? Là, il y a un Yeti, normal. Que j'ai en Lego d'ailleurs, que j'ai en Lego. Vraiment plein de super petites choses comme ceci. Il est possible que je fasse des ellipses de temps en temps si c'est pas très intéressant. Vous avez également des animations lorsque vous découvrez de nouveaux biomes. Là par exemple, si j'avais... Parce que le truc c'est que voilà, j'ai fait une ou deux parties avant cette vidéo. Du coup, ça a gardé tous mes éléments de gameplay que j'avais débloqués. C'est-à-dire que ce soit des items, que ce soit les éléments comme ça quand j'avance dessus. Ça je l'avais pas découvert encore, la petite éolienne, vous voyez. Mais en soi, les animaux, je les ai déjà, j'en ai déjà quelques-uns, il y en a déjà beaucoup. Faut que j'ai des blocs. Et c'est vraiment, regardez, c'est vraiment quand même magnifique, quoi. Franchement. Et croyez-moi, c'est vraiment super fluide. Là, j'ai je suis quasiment ultra... Au niveau des graphismes, j'ai juste retiré l'effet de flou directionnel parce que ça servait absolument à rien et ça servait à rendre l'image juste moins nette. Et regardez ça, il y a même des bonhommes de neige. Alors il faut une rouste, on peut le taper, boum 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 boum. Excellent! Voilà, mais ce jeu, franchement, je vous le conseille, les amis. Il est vraiment magnifique. Et imaginez deux secondes en multijoueur. En multijoueur, quoi. Ce sera juste incroyable. Ça c'est quoi? Oh, satellite, mais en fait j'ai rien découvert ici. On se croirait sur la planète de Star Wars, Tatooine. Non, attendez. C'est pas Tatooine la planète de glace? Non, c'est pas elle.
Comment elle s'appelle? Oh là là, je suis vraiment désolé les gars, j'adore Star Wars, hein, mais là, vous savez, je suis en direct, ça arrive des fois, il y a la pression de la première vidéo sur ce jeu qui j'espère vous plaira d'ailleurs. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne si vous tombez dessus par pur hasard, par pure coïncidence. Tac tac tac, il y a déjà quelques gens qui ont fait des vidéos sur ce jeu. Je vous le conseille d'ailleurs. Ah oui, vous pouvez grimper aux surfaces. Il suffit juste de vous approcher, comme ceci, et le personnage s'agrippera automatiquement au rebord. Paf, 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 vous pouvez sauter pour aller plus vite, hein. Rien à foutre, hop, 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 hop. Et là, regardez, il y a même un igloo avec un ours. Allez, regardez, on va aller foutre sa rouste. Allez, boum. Allez. Il m'attaque là? Oui, il m'attaque. Allez. Ouais, il est déjà mort, donc le mode survie est vraiment assez easy. Et là, il y a des très gros coffres. Les très gros coffres, disais-je, vous servent à avoir des objets un peu spéciaux ou un peu plus rares. Regardez, on va appuyer dessus, on va l'ouvrir. Ah, c'en est un que j'ai pas d'ailleurs, vous voyez, il y a l'animation. On va découvrir ce que c'est. Une épée, waouh! Alors attendez, il faut qu'on l'essaye. Je ne sais pas trop encore si les épées, si les armes ont des incidences réellement sur l'environnement, sur les animaux, sur les ennemis. Mais on verra tout ça au prochain épisode, un épisode qui sera consacré aux armes, justement. Je pense que cette petite vidéo sera assez courte, histoire que vous puissiez vous familiariser un petit peu avec l'environnement, pour que vous puissiez voir. Et là, vous voyez vraiment que je vous ai pas menti, quoi. C'est juste magnifique. 2 minutes. Et c'est extrêmement fluide, regardez, là, je tourne à fond, très vite. Y a rien à dire. Enfin, bon, y a bien sûr, il y a des petits bugs mineurs, hein, mais ce que je veux dire par là, c'est que le jeu est très très stable pour une première. Vraiment, pour 15€, ça vaut le coup, n'hésitez pas. Si vous êtes fan de Minecraft, de Cube World, enfin... Les gars, allez-y. Bien que le système de jeu, les objectifs seront, effectivement, comme je disais un peu plus tôt, très différents, quoi. Alors, qu'est-ce que j'entends par très différent? C'est-à-dire qu'il n'y a pas la collecte de ressources ici pour l'instant, il n'y a pas encore le craft d'implanter. Oh! Ils peuvent aussi monter sur les animaux. Ah, j'en avais pas encore vu un faire ça. Ça, c'est génial. J'aimerais juste vous montrer rapidement qu'est-ce que j'ai de drôle à vous montrer pour finir l'épisode en beauté. Ah oui, alors, la chèvre. Regardez ça. Ah, je l'avais même pas encore. J'ai vu dans une autre vidéo. Regardez un petit peu comment on appelle ridicule quand on est avec. Attention, c'est parti. Eh non, mais sérieusement. On n'est pas juste trop drôle? Regardez. Je descends de la montagne en biquette. Je descends de la montagne en biquette. Et je découvre des tas d'éléments. Des tas d'éléments, les amis, mais c'est juste super. Bon alors, là, je suis vraiment tout seul, machin, il n'y a pas grand-chose. Je fais pas beaucoup d'exploration pour cet épisode, c'est vraiment pour vous montrer les bases de ce que j'ai pu apprendre. J'oublie certainement beaucoup de choses. Attends, il y a un truc qui bip là-bas, qu'est-ce que c'est? Ah oui, mais ça, j'ai déjà découvert, ce sont des satellites. Même ce genre de choses-là, le pic sur lequel je suis, ça peut se débloquer, et ça peut se construire après automatiquement, enfin, on verra ça au prochain épisode. Bien les amis, je pense qu'on va se quitter sur une jolie image. Attendez, j'en cherche une. Quoique, attendez, non, j'aimerais bien qu'il fasse nuit avant. Il fait jour, là, non? Je cherche le soleil, en fait. Je trouve pas le soleil. Où est-ce qu'il est? Il est là. Est-ce qu'il descend? Il descend. Bah attendez, je fais une toute petite ellipse et je vous reprends dès qu'il fait nuit. A tout de suite. Ouah, le joli coucher de soleil. Heureux, les amis, ça y est. Alors, le soleil se couche. Je vais pouvoir vous montrer un petit peu. Car c'est comme Minecraft, effectivement. Hein. Il y a une phase jour, une phase nuit, où les choses sont un petit peu plus différentes et un petit peu moins drôles. Et encore un petit peu moins drôle. C'est vraiment vite dit. Car les combats sont tout aussi rigolos, vous verrez, et en plus on risque pas grand chose quoi. Je vais juste descendre rapidement ma petite biquette, salut Blanquette, Blanchette, biquette, enfin on s'en fout. Je descends pour vous montrer un petit peu ce qui change. Attendez, je cherche, mais normalement quand la nuit tombe, des ennemis apparaissent. D'ailleurs j'ai mes cœurs qui sont apparus, ça doit bien vouloir dire que je risque de me prendre un petit coup dans la tronche. Dans mon faciès. Ça dit, je ne l'envoie pas. Mais il fait jour, là? Attendez, il y a un problème. Il fait jour? C'est à cause de la nuit, ça? Ok, bon, comme je disais, le jeu est encore un petit peu bugué, mais on a l'impression qu'il fait plus jour que nuit, là. C'est assez étrange. Ou alors, est-ce que c'est parce que je suis dans un biome un peu spécial? On va en changer un, vite fait, pour voir. Genre, on a l'impression qu'il fait jour, quand même. C'est un petit peu abusé. Putain, la montagne, elle est abusée aussi. Ah non, je voulais vous montrer la phase de nuit. Ah là 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 là. Comment est-ce que je vais pouvoir faire pour vous montrer ça? Du coup,
coup je cours un petit peu dans tous les sens et je fais n'importe quoi. Je cherche quelque chose de particulier. Pas normal qu'il fasse jour. Ou alors il y a un microclimat. Non, ils ont pas implanté ça maintenant. Parce que je suis sur une île, hein, là. Je suis sur une île. Donc ça, c'est un Yeti, on s'en fiche. Ce n'est pas toi que je veux, mon ami. Il n'y a que des Yetis. Bon bref, normalement, vous êtes censé avoir des squelettes. Vous êtes censé avoir des squelettes qui pop et qui vous poursuivent. Dès que vous en tapez un, il y a toute une horde qui arrive et qui vous frappe. Truc de dingue. Mais du coup, comme il n'y en a pas pour l'instant, bah, je vais aller me casser la figure. Enfin, je vais aller me faire mal à cet ours. Allez, viens là, toi. Allez, viens là. Oula, allez, tu ne fais rien. Hein. Déjà mort. Mais what? What? Comment il peut rien faire? Et toi? Allez, viens là. Allez. Bon, ouais. Écoutez, les jeux Lego sont pas réputés pour leur difficulté non plus. Hein. Faut savoir que en général, les vies, quand on meurt, on perd que quelques pièces. C'est rien de bien méchant. Et ah. Mais non, quoi, même pas. Bon, écoutez, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est que je vais juste prendre un ours. Prendre un petit Yorkshire. Mais qu'est-ce que... Eh, mais tu tapes pas les chiens, toi? Oh, non! Ce fail! C'est pas vrai! Bah, écoute, je te tue aussi. Ah non, j'ai tué le chien. Je voulais juste... Je vais tuer le Yeti. Mais what? Oh, regardez, là-bas, il y a un joli monde. Non, même pas. C'est pas un joli monde. Bon, c'est pas grave. On ira au prochain épisode, les amis. On va se quitter là pour cette fois. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas... Putain, le jour et la nuit, quoi. Ça va trop vite. J'espère que cette vidéo vous aura plu, franchement ce jeu est magnifique, il a de grands jours devant lui, regardez, il y a même la transparence de la glace un peu, je sais pas si vous voyez, c'est juste super bien géré quoi. Il y a même le petit reflet comme ça des Lego pour montrer que c'est du plastique, mais tout est en briques Lego quoi, tout est imbriqué, il y en a aucun qui se superpose, rien, enfin il y en a aucun qui se rend dedans quoi. Bon allez, la prochaine fois les amis, nous verrons un peu plus en détail le menu et de nouvelles petites découvertes en rapport avec les véhicules. Et également, surtout la construction, je pense. On va surtout s'attarder sur le menu demain. Au prochain épisode. Je sais pas quand est-ce que je vais tourner. Vous me connaissez à force, parce qu'il faut dire que... Ah bah attendez, on va se quitter là-dessus. Viens là, toi. Yeah. Et je crois qu'il va assez vite. Oui, j'adore. Regardez ça. J'aimerais bien me trouver une jolie image, là, pour finir. Non, il n'y a pas de soleil. Non. Le soleil est timide. Eh bien écoutez, c'est sur cette superbe chevauchée vers la montagne que je vous quitte les amis. Et je vous dis au prochain épisode. Bye, à très bientôt. Blablabla ce bug. Attendez, on va peut-être avancer un petit peu. Près du champignon. Oui, oui. Voilà. À très bientôt les amis. Tchuss. Wouh.